por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera, ella está allá en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Báilame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tu río este calor de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Valentina, ma petite, attends. Écoute, je veux que tu saches que, malgré ce qui peut se passer, tu seras toujours ma fille chérie. Et tu seras toujours ici, dans mon cœur. Papa ? Papa, ne te marie pas avec la méchante Isabelle. Non, ma chérie, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas me marier avec Isabelle. Elle ne veut plus se marier avec moi. On y va, papa. Attends une seconde. Isabelle, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? On dirait vraiment que vous me connaissez depuis toujours, monsieur Gaëtan. Que... Tu m'as l'air un peu triste pour une future jeune mariée. Il m'a tout raconté. Mais enfin, dis-moi, le mariage aura lieu ou non? Oui. Il y aura un mariage. Mais pas avec Miguel. Et qu'est-ce que tu veux dire? Oh, monsieur Gaëtan, c'est parce que... Bon, vous n'êtes au courant de rien, mais... Bon, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est... que je me sens très bizarre avec tout ça. Mais avec quoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, Isabelle? Oh. Rodolfo Aristigueta est revenu, monsieur Gaëtan. Mon mari, que je croyais mort, a débarqué dans la maison et il est arrivé avec l'idée fixe de se marier avec moi et à l'église. Quelques jours plus tard... Chèque, il ne fallait pas. Ma fiancée chérie, tu ne pouvais pas aller au mariage de ton frère Rodolfo sans que moi, ton fiancé, je ne t'accompagne. D'ailleurs, tu ne peux aller nulle part sans moi. Même pas jusqu'au coin de la rue. Et si tu veux qu'on aide ton autre frère, demande-le-moi tout simplement. Si tu veux, on peut le transporter dans un hôpital à l'étranger. Et ne t'inquiète pas, les dépenses seront bien entendu à ma charge. Merci mon chèque, mais non, en fait, il y a de très très bons médecins dans ce pays. Estella. Oui? Nous sommes tous avec toi. Ma belle Lune. Bon, je reviens. Je vais aller chercher mon amie Viviana. Ou Rolando, le docteur Rolando, pour qu'il me donne des nouvelles de mon frère. Bon, on se voit tout à l'heure, mon prince de Marrakech. Non, mon prince des dunes des sables, pardon, on parle de l'Arabie. À plus tard, votre Altesse. Qu'est-ce que vous en pensez, mon prince? Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez comment elle est partie en courant, la pauvre. On est en train de la mener tout droit au précipice du oui. Ça, j'en suis sûr, Omar. Très, très sûr. Mais fais attention pour que ce oui ne soit pas pour toi, mais pour moi. Sinon, je t'élimine. Tu as compris? Je pense que son état s'améliore, n'est-ce pas, Rolando? Non, je me sens pas bien, Viviana. Son état est critique, Viviana.
il y a eu un traumatisme et un détachement des reins. Les reins sont nécrosés à un stade très avancé. Comment ça, nécrosé? Ça veut dire qu'ils sont presque morts, c'est ça? Tout à fait. Ça veut dire que tant qu'on ne trouve pas de donneur, il faudra pratiquer une dialyse. Un donneur? Et où est-ce qu'on va le trouver, hein? On n'a pas ça dans les stocks de Colossal Funchal. Non, Raimundo, ça ne se trouve peut-être pas au supermarché, mais... Rolando, si c'est possible, moi je veux bien être donneur. Merci, Viviana, mais ce n'est pas aussi simple. L'idéal, c'est que ce soit quelqu'un de la famille, de préférence un frère ou une sœur. Salut, frérot chéri! Vous allez devoir vous débrouiller pour le petit déjeuner. Moi, je vais rendre visite à Climato. S'il te plaît, mamie, je veux y aller aussi. Non, mon chéri, tu n'as rien à faire là-bas. La prison, ce n'est pas pour les enfants. Bonjour, la famille. Bonjour, je vous apporte du pain et des pâtisseries. Trinidad, attends-moi, je t'accompagne. Pose ça sur la table. Bouche tout frais. Génial, je suis affamée. Alors, qu'est-ce que t'attends? Allez, Jean de Dieu, dépêche-toi. Trinidad, quoi? Viens voir ici, c'est pas possible. Maman, il est écrit qu'Isabelle Vélez va se marier avec Rodolfo Aristigueta. Quoi? Où ça? Il n'y a pas de photo, mais par contre, le nom, ils l'ont écrit bien grand. Isabelle Vélez, c'est bien son nom, ça, non? Donne, fais voir. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, ma fille? Oh Seigneur. Voilà. C'est la première fois que je maquille une jeune mariée. Tu sais, Isabelle, tu as l'air différente. Mais tu es très belle. Moi, très franchement, je trouve qu'elle est beaucoup plus belle comme ça. Et que Monsieur Rodolfo a très bon goût. C'était une bonne idée. Non, Célina. Ce qui se passe, c'est que Rodolfo n'a jamais aimé les cheveux bouclés. Tout comme Emma, il n'aime pas ce qui rappelle la race noire. Voilà, tu es prête. Magnifique. Attendez, je ne comprends plus rien. Est-ce que je me trompe ou bien est-ce que la vraie Isabelle Vélez est la veuve de ce Rodolfo Aristigueta? Et pourtant, regarde ici, c'est écrit très clairement. Le frère Rodolfo et le frère de Miguel Aristigueta. Il est vivant, c'est écrit là. Mais ça n'a pas d'importance si elle se marie, puisque ma tante Barbarita n'est pas Isabelle Vélez. Elle ne l'est pas, elle est toujours notre Barbarita. Oh, mon petit poussin. Tu ne te rends pas compte que c'est une tragédie. Écoutez, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Notre fille court tout droit à sa perte. C'est vrai, Tonia, il a raison. Dis-moi, s'il te plaît, où a lieu le mariage? Parce que je vais aller sur place, moi, et l'empêcher de se marier. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Non, non, non. Tout va bien, non? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On dirait un séisme. Écoute, l'homme ne se nourrit pas que de pizza. Je pensais te trouver, je sais pas, en costume et cravate, prêt pour le mariage. Épargne-moi tes plaisanteries, Gaëtan. Plaisanterie? Eh bien, la plaisanterie sera pour le garçon qui va se marier. Hein? Bon. Et si tu m'aidais? Oh, Estella, tout ça, c'est ma faute. C'est à cause de moi que Climaco et Raimundo se sont battus. Et si je n'étais pas allée chercher Climaco, tout ça ne serait pas arrivé. Mais arrête de te torturer. Ça sert à rien de chercher un coupable. Le plus important, c'est que tu vois que la solution à ce problème de rein est devant toi. C'est moi. Tu ferais vraiment ça pour Ray? Tout à fait, et aussi pour toi. Écoute, je vais donner ce rein à Raimundo. Ce rein dont il a tant besoin. Mais il faut que tu te calmes. Bon, d'abord, il faut déterminer le degré de compatibilité. Ce n'est pas si facile. Vivi, allons voir le spécialiste, il pourra nous en dire plus, d'accord? Oui, bien sûr, allons-y. D'accord. Une minute, je reviens.
Excusez-moi. Estella, Estella, attends, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Samir? Écoute, je dois y aller. Estella, tu ne peux pas donner un rein à ton frère, ni à personne d'autre. Parce que si tu le fais, tu ne pourras pas te marier avec moi. Ma religion me l'interdit, tu comprends? Quoi? Qu'est-ce que tu dis, me marier avec toi? Ne me dis pas que tu abandonnes Miguel. S'il te plaît. Non, 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 Gaëtan, mais je suis fatigué. Si tu pouvais te mettre à ma place, tu me comprendrais. Non, je n'ai pas besoin de me mettre à ta place pour te comprendre. Je sais comment ça fait mal quand l'amour s'en va. Mais tu as toutes les cartes en main pour changer tout ça. Non, non, Gaëtan, non. Elle ne veut plus de moi. Jamais de toute ma vie, je n'ai autant souffert que quand elle me l'a dit. Elle aime Rodolfo, elle me l'a dit, ils ont un fils ensemble. Et toi, tu es si stupide, si t'es aussi imbécile, que tu préfères croire en ses paroles plutôt qu'en ce que ses yeux te disaient. Cette jeune femme t'aime, Miguel, tu le sais bien. Non, non, Gaëtan, et je ne sais plus quoi penser. Miguel, un ami n'est pas quelqu'un qui se roule par terre pour pleurer avec toi. Un ami, c'est quelqu'un qui te donne un coup de pied aux fesses, qui te secoue pour te faire réagir. Moi aussi, ça m'est arrivé, et pas une fois, deux fois. Et d'ailleurs, je donnerai ma vie pour être là où tu effaces l'opportunité de récupérer cet amour et d'être heureux. Ne la laisse pas passer. Saisis cette opportunité. Parce que sinon, tu vas le regretter, Miguel. Crois-moi, tu vas le regretter toute ta vie. C'est quoi cette histoire qu'on ne va pas pouvoir se marier, toi et moi, Samir? Tu es devenu fou? Estella, excuse-moi. Mon français est assez mauvais. En fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que... Ce que Samir a voulu dire, c'est que si tu donnes ce rein, tu ne vas pas pouvoir te marier avec moi. Avec moi. C'est ça que Samir a voulu dire. D'accord, mais je ne comprends toujours pas. Écoute, ma jolie promise, ma petite poupée courageuse. Dans ma religion, on n'accepte pas les mariages avec des femmes... mutilées. C'est quoi, ça, Sheik? Mais quel manque de respect! Estella, la vie d'un prince est très... très exigeante. Son devoir est de protéger la race et cette règle est la garantie d'une bonne descendance. Bon, si c'est comme ça, le problème c'est que moi, pour mon frère, je sacrifierai tout. Mes fiançailles avec toi, la fortune et le trône, Sheik. Qu'est-ce que tu veux me dire par là ? Que pour mon frère, je suis prête à donner non seulement un rein, mais aussi mon âme, mon cœur, mon corps tout entier s'il le faut. Et donc, je renonce à ma vie avec toi. Ce mariage ne pourra pas se réaliser, Sheik. Ah, te voilà. Allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. Non, 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 Gaëtan, je ne vais pas avec toi. Qu'est-ce qui te prend, Miguel? Ne sois pas si têtu, ne sacrifie pas ton bonheur par pur orgueil. Non, non, ce n'est pas de l'orgueil, Gaëtan, non. À vrai dire, tout ce que je veux, c'est tourner la page et continuer à vivre ma vie. C'est ça que je veux. Quelle vie, Miguel? Quelle vie vas-tu avoir sans Isabelle? Ma décision est prise. Et pardonne-moi si je te déçois. Non, Miguel, c'est pas moi que tu déçois. Mais tu trahis la joie. Tu trahis le rire. Tu trahis le véritable amour. Mais c'est ta décision. Une décision stupide, mais je la respecte. Une toute dernière chose, Miguel. Un jour, quand tu penseras que le cœur est guéri, quand tu seras habitué à la tristesse, le destin se manifestera et il te présentera sa facture.
Et il te faudra la payer avec des intérêts. Des intérêts pour avoir perdu ton temps uniquement par l'acheter. Et ce jour-là, Miguel, mon ami, ce jour-là, effectivement, je serai déçu par toi. Gaëtan. Merci, merci d'être un si bon ami. Enfin, à vrai dire, tu es le meilleur ami que je puisse avoir et Isabelle est ce que j'ai eu de meilleur dans ma vie. On ne le dirait pas. Attends. C'est bon. Tu as gagné. Tu me diras quand et où je vais sauver ce qui m'appartient. Ah, y a pas à dire, Rodolfo. Sans l'ombre d'un doute, de tous les Aristigueta, tu restes vraiment le plus élégant et le plus sexy. Je sais. Toi aussi, tu es extrêmement séduisante. Mmh. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment Miguel a pu abandonner autant de beauté et de sensualité parce que tu es belle à croquer. Mais plus pour très longtemps, Rodolfo, parce que cette nuit, Miguel va revenir chez moi. Ouais. Eh bien, je suis jaloux. Isabelle? Merci. Eh, alors, dis donc, que fait ce nain de la sélection nationale en dehors du terrain, hein? Ben, tu vois, je rends visite à mon oncle préféré, parce que la famille, c'est nous tous. Pas vrai, papy? Et comment, mon grand? Viens là, fiston. Que Dieu, notre Seigneur, te protège. Amen. Écoute, si ma mamie Trinidad te pose la question, ne dis pas que je suis venue, parce qu'elle dit que les enfants ne doivent pas venir à la prison. Ah, bon, mais c'est aussi une façon pour qu'ils voient à quel point la vie peut être dure. Comment tu vas? Bien. Je t'ai apporté ça de la part de maman pour que tu manges quelque chose de bon. Mais pourquoi elle m'envoie ça? Elle n'est pas venue avec vous, maman? Allez, parlez. Pourquoi maman n'est pas venue? Climaco, elle ne peut pas venir parce qu'elle... Elle est allée à un mariage. Un mariage? Et qui se marie? J'ai hâte de t'entendre dire oui, je le veux. Oh non, 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 non. Tu ne penses pas que tu en fais trop, Rodolfo? On y va? Merci. Mais je peux marcher toute seule. Bonjour. Florent, qu'est-ce que tu fais ici? C'est Monsieur Gaëtan qui m'envoie. Il dit que si tu as besoin d'un père qui t'amène jusqu'à l'hôtel, il serait ravi de jouer ce rôle. Un père? Avec plaisir. Alors faites-moi l'honneur de prendre ce bras qui vous emmènera directement au bras du Portugais. Rendez-vous à l'église, Rodolfo. En route! Arrêtez votre cinéma. Dites-moi qui va se marier. T'énerve pas, Climaco. La fille aînée de la voisine. Mm-hmm. Ça, Tabata, c'est un mensonge parce que tu mens très mal, je te connais. Vas-y, Grégory, dis-le-moi, toi. Dis-moi qui va se marier. De toute façon, Climaco, il finira par l'apprendre. C'est ma tante Barbarita qui va se marier. Barbarita? Attendez, mais alors... Ça veut dire que Miguel connaît la vérité? Il sait qu'elle s'appelle Barbarita Blanco? Non, 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 et il ne faut pas qu'il le sache. C'est bon, attendez. Grégory, Grégory, tu ne pouvais pas te taire? Climaco. En fait, Barbarita ne va pas se marier avec Miguel. Ta sœur va se marier avec une espèce de... mort vivant. En fait, tu vois, le vrai mari d'Isabelle Vélez est réapparu. Et il mène la vie dure à ma fille.
Rodolfo, comment peux-tu la laisser partir comme ça avec le chauffeur de Gaëtan, hein? Tu crois vraiment que tu peux faire confiance à Isabelle? Mon garde du corps la surveille, Isa. Si elle ose s'écarter d'un seul centimètre de la ligne que je lui ai tracée, boum. Oui, bien sûr. Boum. Et adieu, Isabelle Vélez. Franchement, Rodolfo, tu es comique. Non, ma belle. Tu sais que je peux être amusant. Mm. Mais comique, jamais. Allez, haut les cœurs, ma petite chérie. Ne sois pas triste, parce que je vais veiller à ce que personne ne te fasse de la peine. Qu'est-ce qui s'est passé, Florent? Hein? Comment est-ce que je me suis mise dans cette embrouille? Tu as vu, papa? Tu as vu? Qui allait dire que j'allais devenir l'ombre de Barbarita Blanco Guaramato, papa? Hein? Ah! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, Florent? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Je remets les ordures à leur place. On y va, allez! Tu ne vas pas t'échapper, ma belle. Tu vas pas t'échapper de moi. Du dimanche, tu n'es qu'un débutant. Moi, je suis plus fort que Schumacher. Mais enfin, Florent, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, enfin, c'est pas le chemin de l'église, ça. Hein? Mais c'est le chemin pour le bonheur, ma belle. Le chemin pour le grand bonheur. Omar, ce serait une véritable catastrophe si Estella donnait un rein. Mais arrêtez de vous faire du mauvais sang, mon prince. Ce n'est pas si facile que ça non plus. Ce n'est pas comme faire la cuisine. Attendons les résultats des examens, ils indiqueront peut-être qu'Estella n'est pas compatible pour faire ce don d'organes. Omar, Estella est la sœur, la donneuse parfaite, est-ce que tu comprends ça? Si elle le fait, elle sera mutilée. Et alors là, ce sera ma famille qui ne l'acceptera pas. Tu sais très bien comment est ma religion. En effet, mon prince, en effet, votre religion. Dans ma religion, en revanche, on accepte tout à fait les femmes rafistolées. Et pour être honnête, cette fille commence à me faire battre le cœur. Voilà. Ils m'ont fait les premiers examens et si Dieu le veut, je pourrai très bientôt donner un de mes reins à mon frère qui en a tant besoin. Et maintenant, nous pouvons aller au mariage de mon autre frère. Finalement, le mouton noir de la famille va se marier. Et à l'église. S'est-il passé quelque chose pendant mon absence que je devrais savoir? Mon père, je vous en supplie, vous devez me comprendre. Ce mariage ne peut pas être célébré. Ma fille ne peut pas épouser ce monsieur. Madame, dites-moi une chose. Votre fille est mineure ou peut-être... Non, mon père, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Elle n'est pas mineure. Le problème, c'est que tout ça est une folie très difficile à expliquer. Mon père, moi-même, je ne la comprends plus. Dans ce cas-là, je suis désolé, mais moi, je ne peux absolument rien faire, madame. Ah, mais comment ça, vous n'allez rien faire? Bien sûr que vous pouvez. Ce mariage ne peut pas se faire. S'il vous plaît, mon père, vous devez l'empêcher. Madame, s'il vous plaît. Ce sont les jeunes mariés qui doivent prendre la décision de se marier ou de ne pas le faire. Mais permettez-moi de vous donner un conseil, d'accord? Attendez que votre fille arrive et vous en parlerez avec elle. Non, non, comment ça attendre, moi? Non, je ne peux pas rester ici, personne ne doit me voir. Mais comment ça? Bon, c'est parce que, enfin, je ne suis pas encore habillée pour l'occasion, vous voyez? Trinidad? Qu'est-ce que tu fais ici, au mariage d'Isabelle Vélez? Florent,
C'est pas un jeu. C'est pas le bon chemin. Alors où est-ce que tu m'emmènes? Calme-toi, Barbarita. Écoute, le destin te réserve une très belle surprise. Et cette promenade en voiture en est le début. Écoute, Florent, arrête la voiture. Arrête cette voiture, sinon tu vas me voir vraiment en colère. Ouvre-moi la portière, Florent. T'es devenu dingue ou quoi? Ouvre-moi cette portière. Mais non, je ne suis pas fou. Mais en revanche, je connais quelqu'un qui va être fou de joie en te voyant. Je peux redémarrer, là? Non, ouvre-moi cette portière. Tant pis. Non, 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 Gaëtan, non. Je suis venue parler avec le prêtre parce que ma fille... Ma fille, Tabata, pense se marier. Et bon, je suis en train de me renseigner, mais je ne savais pas qu'il y avait un mariage ici. Oh, ça reste à voir. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de très important pour... un ami, pour qu'il ne perde pas son amour. Comme moi, je l'ai perdu. Parce que je l'ai perdu, n'est-ce pas, Trinidad? Ah, Gaëtan, non, ce n'est ni le lieu, ni le moment pour parler de ça, s'il te plaît. Je sais. Je sais. Tout sur toi. Je sais ce que tu dois endurer et les malheurs qui te sont arrivés ces derniers jours. Tu vois, ça, c'est... le désavantage de t'aimer autant. Moi aussi, je t'aime très fort. Même si tu ne comprends pas ma façon de t'aimer, Gaëtan. Pourvu que quand je l'aurai compris, il ne soit pas trop tard, Trinidad. De toute façon, je suis au courant de tout, même si tu m'as complètement rayé de ta vie, de tout ce qui t'arrive, de tous tes soucis. J'essaie d'aider Climaco, mais ça risque de prendre du temps. Mais je ne veux pas que tu aies encore plus de soucis à cause de mes enfants, Gaëtan. Tes enfants sont mes enfants. Tout comme tes problèmes sont les miens. Mais le plus important, c'est la fille que tu me caches avec obstination. Notre fille. Lâche-moi, Nicole, lâche-moi. Fais-moi descendre, je dois arriver à l'église. Florent, aide-moi, aide-moi. Oh, mais tu peux pas me faire ça, t'es devenu fou. Mais laisse-moi, lâche-moi, Nicole, s'il te plaît. Portugais, mission accomplie. Maintenant, reste à savoir si on va s'en sortir vivant. Sincèrement, Miguel, hein? Comment est-ce que t'as pu tomber comme ça aussi bas? Me kidnapper? M'enlever? C'est dingue! Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je t'avoue que ce n'est pas une création originale. Ah non? Alors quoi? C'est une idée de Monsieur Gaëtan? Mais j'ai accepté. Écoute, Miguel, c'est simple. Vous allez arrêter votre petit jeu parce que je n'ai vraiment pas le temps de jouer à cache-cache avec vous. Je suis dans une situation franchement très délicate. Et... attends. Voyons, Isabelle, ce n'est absolument pas un jeu. Je ne veux pas qu'on perde encore plus de temps. Allons-y. Partons loin d'ici. Partons là où nous serons seulement toi et moi, Isabelle. Écoute, ne t'inquiète pas pour Climaco. Je vais tout mettre en œuvre pour le faire sortir de prison. Et rassure-toi, Trinidad, je ne te poserai plus mon éternelle question concernant ma fille, notre fille. Je découvrirai bien qui elle est, à ma manière. L'amour, tu peux le vivre où tu veux. Et avec qui tu veux, ma chérie. Mais je ne négocierai pas ma fille. Les sentiments, le lien que j'ai avec elle, rien ne pourra les détruire. Pardon. Oui? Et alors,
Patron, votre commande est arrivée à bon port. La princesse est déjà dans le château et votre humble serviteur monte la garde devant la porte. Parfait. Non, Miguel, parce que figure-toi que nous ne sommes pas seuls. Écoute, il y a David, ta fille, Rodolfo, ta famille et la mienne. Ça ne se limite absolument pas rien qu'à nous deux. Mais enfin, Isabelle, qu'est-il arrivé à la femme merveilleuse qui s'est abandonnée à l'amour? Hein? Qu'est-il arrivé à la femme volontaire dont je suis tombé amoureux? Isabelle, bon sang, personne n'a le droit de nous voler notre bonheur, tu comprends? Le bonheur, Miguel, ne peut pas passer avant les autres, tu comprends? Et certainement encore moins avant mon bébé. Ça, non. Je ne vais pas mettre en péril la sécurité de David. Je ne vais pas le permettre. Hein? Et tu en es où? Arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce que tu dis? Célina, est-ce que ce n'est pas le plus beau petit garçon que tu aies jamais vu de toute ta vie? Et le pire, c'est qu'il le sait, n'est-ce pas mon trésor? Regarde-le, hein? Il est si mignon, si coquet et si espiègle. Tu es vraiment émerveillée par ton petit-fils, Félix. Pardon. Qu'est-ce que tu viens de dire? De quel petit-fils veux-tu parler? Oh, mais c'est pas vrai, j'ai encore gaffé. Félicité, pardonne-moi, mais c'est que... Je t'ai entendue l'autre jour quand tu étais en train de parler à David et tu pleurais. Oh, Félix, mais je te jure que je ne dirai rien, je te jure. Écoute, Célina, pas un mot, d'accord? À personne. N'oublie pas, tu n'as absolument rien entendu. Non. Rien. Et tu vas me jurer que tu emporteras ce secret jusque dans ta tombe, Célina. Oui, Félix. Oui. Non, jure-le-moi. Écoute, Miguel, tu n'as aucun droit de me garder enfermée ici. Bon sang, ouvre cette porte, il faut que j'aille à l'église. Isabelle, dis-moi pourquoi tu veux te marier avec Rodolfo. Dis-le-moi, Isabelle. Sinon, je ne t'ouvrirai pas cette porte. Mais Miguel, il ne s'agit pas de vouloir, il s'agit de devoir. Pour l'amour de Dieu, ouvre-moi cette maudite porte! Si Rodolfo apprenait ce qui se passe, Dieu sait ce qu'il serait capable de faire! Isabelle, Isabelle, pourquoi tu dois te marier avec Rodolfo? Dis-moi pourquoi! Réponds-moi. Est-ce que ce salaud te fait du chantage? C'est ça, Isabelle? Il te fait du chantage à propos de David? Si c'est ça, dis-le-moi! Donne-moi mon fils. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, mais c'est mon fils, non? Rodolfo, je te connais depuis le jour où tu as poussé ton premier cri. Et là, je n'aime pas ce que je lis dans ton regard. Que vas-tu faire avec David? Donne-moi mon fils et arrête de discuter. Qu'est-ce que tu vas faire de lui, Rodolfo? Ce que toi et moi avons ressenti l'un pour l'autre ne peut pas passer avant David. Rodolfo est le père de mon enfant. Et bon, je l'ai rencontré avant toi. Et il est de retour, on ne peut pas nier ça. Isabelle, Isabelle, pour l'amour de Dieu, rends-toi compte. Tu es en train de nier, de rejeter notre amour, Isabelle. Écoute, Miguel, pour moi, c'est tôt réfléchi. C'est terminé entre nous. Toi et moi, c'est du passé et tu dois l'accepter. Alors, laisse-moi sortir d'ici. S'il te plaît, ouvre-moi cette porte. Ouvre-moi cette porte parce que je vais me marier avec ton frère Rodolfo. Ne fais pas de mal à ce petit, je t'en supplie, Rodolfo. Folle, tu crois que je pourrais faire du mal à mon propre fils? Moi, tout ce que je sais, c'est que tu n'aimes pas les gens à la peau foncée. Et que David n'est pas l'enfant blanc aux yeux bleus dont tu as toujours rêvé. Attends un instant, Félicité, ça, ce sont tes complexes. Ne me mêle pas à tes problèmes. Et maintenant, laisse-moi passer. Mais où l'emmènes-tu, dis-moi, Rodolfo? À mon mariage, Félicité. Arrête ton cinéma, arrête de pleurer, t'es ridicule. Je vais à mon mariage avec mon fils. Tu veux être sûr qu'il ne lui arrivera rien? Alors tu n'as qu'à nous accompagner. Va chercher ma cravate et viens avec nous. Comme ça, tu verras que je ne suis pas le monstre que tout le monde croit que je suis. D'accord. Mais enfin, ça fait une demi-heure que j'essaie de te faire comprendre, que j'essaie de t'expliquer. Mais apparemment, c'est inutile. Rodolfo doit croire que je l'ai planté. Isabelle, pourquoi tu n'enlèves pas cette robe? Elle ne te servira à rien. Ah, écoute, Miguel, ne te moque pas de moi! Mais je ne me moque pas de toi! Crois-moi, oublie ce mariage. Je ne veux pas que tu épouses ce salaud. C'est ma décision et je me fous de la tienne, d'accord? Et pour que tu comprennes bien, regarde. Regarde ce que je vais faire de la clé. Non, 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 Miguel, non, Miguel, non.
Voilà, ton chauffeur vient d'arriver, Barbarita. Ah bon? Bonjour, la famille. Grand-mère, t'es toute belle. Toi aussi, ma petite maman chérie. Isadora, je t'ai déjà dit que tes cheveux sont magnifiques. Oui, n'est-ce pas? Merci d'être venue. Mais voyons, tu n'as pas à me remercier, Rodolfo. J'adore les mariages, moi. Veuillez m'excuser. Très théâtral, ton entrée, Rodolfo. Ah oui, maman. Et sans répétition. Monsieur Gaëtan, quel plaisir de vous voir. Merci d'être venu. Rodolfo, tu es en avance. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, qu'est-ce qui se passe, maman? Oui, Isabelle. T'en fais pas, maman. Tiens, ça va te calmer, allez. Non, non, ma robe. Oh. Mais où est Isabelle? Est-ce que tu as parlé avec elle? Est-ce que tu elle l'as vue? Quand est-ce qu'elle arrive? Eh bien, celui qui a la réponse à cette question, c'est Monsieur Gaëtan, non? Il a en effet voulu jouer les Cupidons, mais de façon très maladroite. Mais n'est-ce de quoi pas, parles-tu, Gaëtan? Mon fils? Je veux dire qu'Isabelle est avec son chauffeur. C'est donc Monsieur Gaëtan qui doit nous expliquer pourquoi Isabelle n'est toujours pas là. Florent, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce que tu lui as fait, espèce de brute? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? C'est exactement ce que je veux, petit snob. Lâche-la! Enlève tes sales pattes de là, sinon je... Ne bouge pas et mets-toi là. Attends, tu es le type qui est venu chez moi? Ton ami, Isabelle? Ouais. On est de vieux amis, n'est-ce pas? C'est pour ça que je suis venu la récupérer. Parce que mon patron l'attend à l'église. Ton patron? Rodolfo est ton patron? Mais c'est quoi ça? Arrête avec ton questionnaire, mec. Je veux pas être en retard, ok? En fait, je préfère te tirer dessus et manquer à Dieu plutôt que de manquer à mon patron. Alors, si tu t'interposes, je te tue. On est d'accord? Je vais vous offrir un cours de comédie pour vous apprendre à feindre la surprise avec naturel. Ça vous sera utile. Bon, où est Isabelle? Isabelle? C'est toi qui es censé le savoir, non? Attention, ne te fous pas de moi et ne te mêle plus de mes affaires, mon petit portugais! Plus jamais lever la main sur moi. Plus jamais, tu entends, espèce de voyou. Où peut donc être ma fille? Mon Dieu, protégez-la pour moi, s'il vous plaît, protégez-la. J'avoue que je comprends de moins en moins ce qui se passe ici. Qu'a à voir, Monsieur Gaëtan, avec le fait qu'Isabelle ne soit pas encore arrivée? Ce que Rodolfo semble ignorer, c'est qu'une fiancée peut changer d'avis. Parfois à la dernière minute. C'est votre chauffeur qui l'a enlevé. Et ce, parce que vous lui en avez donné l'ordre. Miguel et vous voulez saboter mon mariage, mais vous n'allez pas réussir. Mais c'est ce que tu crois. On va attendre pour voir qui a raison. Si tu ne veux pas décevoir Rodolfo, tu vas devoir me tirer dessus, parce qu'Isabelle ne sortira pas d'ici. Miguel, s'il te plaît, tiens-toi tranquille. Ne viens pas faire le macho courageux, mec. Parce que tous les héros finissent dans la tombe, tu sais. Je préfère encore être mort que de voir Isabelle mariée à Rodolfo. Tu ne vas l'emmener nulle part. Je vais te tuer, connard. Isabelle, dépose ce revolver. Non, attention avec ça. Isabelle, s'il te plaît, calme-toi. Ne fais pas de bêtises. Ne te salis pas les mains en tirant sur ce type, il n'en vaut pas la peine. Je t'en supplie, abaisse cette arme, Isabelle. Je vais pas lui tirer dessus. Parce que je vais partir avec lui maintenant. Miguel, écoute, j'ai essayé de ne pas t'humilier, de ne pas te blesser. Mais bon, puisque visiblement tu ne comprends pas, je vais me marier avec Rodolfo. Et ce qui s'est passé avec toi, c'était... Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, dans la cabane. J'ai trouvé ça amusant. Amusant, Isabelle? Mais qu'est-ce que tu dis? Oh. Enfin, Miguel, ne fais pas cette tête. Je suis vraiment désolée pour toi, parce que bon, toi seul, tu es tombé amoureux. Je ne vais pas continuer à faire semblant. Moi, j'aime Rodolfo. Alors, sois gentil, s'il te plaît, et laisse-moi sortir d'ici. Et s'il te reste un peu de dignité, ne me poursuis plus.
mon Dieu, tu as vu l'heure et le taxi qui n'arrive pas? Non, mais c'est pas croyable, ça! J'ai mon chauffeur particulier, mais comme par hasard, aujourd'hui, je ne peux pas en disposer. Sois gentille, appelle encore une fois le taxi parce que je suis déjà très en retard. Je suis sûre que le taxi ne va pas tarder à arriver, madame. Bon, d'accord, mais... Ah! Ça doit être lui! Oh, voilà, enfin. Merci. Vous êtes bien le chauffeur de taxi? Oui. Chauffeur de taxi professionnel pour vous servir. Voilà, merci, vous pouvez disposer. Bien, madame. Ma parole, vous êtes plus belle et plus affriolante que jamais, madame Nena. Très belle et affriolante? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne le savez donc pas? Vraiment pas? Le portugais n'est pas là, je m'en suis douté. Vous êtes triste et seule, et moi qui meurs d'envie d'être votre ours en peluche. Écoutez, mon mari est à la maison. Et s'il s'aperçoit que vous êtes ici, il va vous chasser à coups de pied. Mais non. Mais non, et pas parce qu'il ne le voudrait pas, mais parce qu'il n'est pas ici. Je vous connais, petite coquine, je vous connais. Alors quoi? Vous venez? Allons-y ensemble, quel que soit l'endroit où vous allez, je serai votre chevalier servant. Jamais. Jamais. Jamais je n'irai à ce mariage avec un singe comme vous. De toute façon, à ce mariage, vous allez me voir parce que je suis un parent de la jeune mariée. Quoi? Oui, même si vous ne le croyez pas, je suis un parent de la jeune mariée. Allons-y ensemble, nous formons un si beau couple. Mon mari va arriver, là. Mais quoi? Oui, Isabelle, Rodolfo, comment se fait-il qu'elle ne soit toujours pas arrivée? Mais maman, il n'y a aucune raison d'être si nerveuse. Isabelle sait que je l'aime et elle ne peut pas vivre sans moi. Elle va arriver, j'en suis sûre, ne t'inquiète pas. Ah, le temps ne m'a jamais paru aussi long. Et en plus, le portable de Miguel est éteint. Oh, madame Bernarda, vous pensez qu'il est arrivé quelque chose à Isabelle? Je ne sais pas, chérie. Peut-être que Rodolfo a raison et que Miguel et Gaëtan ont quelque chose à voir avec toute cette attente. Oh, Sainte Barbara bénite. Pourvu que ma fille ne fasse pas une folie, protège-la, ne le permets pas. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en aille parce que... je pense qu'il n'y aura pas de mariage. Et oui, malheureusement, Rodolfo. J'ai bien peur que la future mariée ne vienne plus. Alors à quoi bon rester ici? Ben allez-y alors, si vous voulez partir, partez, on n'a pas besoin de vous ici. Votre présence n'est agréable ni à moi, ni à ma femme. Alors, allez-vous-en et ne vous sentez surtout pas obligé de nous offrir un cadeau, on n'en a pas besoin, merci beaucoup. Salut. Excusez le retard, mais un pneu de la voiture nuptiale a crevé. Me voici enfin, Rodolfo. Fidèle à notre engagement et prête pour toi. Tiene un tumbao que provoca tentación.